prendre l'une. L'une ou pas, il y en aura encore ce soir. Il y a trop de misère là-bas. Tu as quelque chose? Non. Écoute. Je fais que ça. Merde. Ils sont échoués dans la passe. Va chercher la bagnole, je m'occupe d'eux. Entrez. Cadeau. C'est ton nouveau partenaire. On va parler de boulot. Un bleu, hein. Faut bien commencer. Comment tu t'appelles? Jean-Philippe. Trop long. Mes potes m'appellent Jean-Phi. Pour moi, ça sera Junior. Junior? Et d'où tu sors? De l'armée. Quelle arme? Le génie. Ça tombe bien. Tu faisais des barrages? Ça m'est arrivé. Et quand il y a les crues? C'est plus difficile. Eh ben ici, c'est simple. Sur 300 km, t'as la crue du siècle. Une crue d'hommes, de femmes, de mômes aussi. Suis-moi. Ça, c'est notre secteur. 8 km à couvrir à deux. Dedans, 4 rivières. C'est là qu'ils débarquent. Ailleurs, les rouleaux sont trop forts. Et on retrouve régulièrement les cadavres de ceux qu'on va viser. Nous, notre boulot, c'est d'en coincer de temps en temps pour montrer qu'on existe. Mais il y a une autre différence avec une crue normale. C'est quoi? La flotte. Tu la renvoies pas à la source pour qu'elle te retombe aussitôt sur la gueule. En même temps avec les hommes, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, hein? Bah alors à quoi ça sert tout ça? Va nous faire bouffer, tiens. Je sens que je vais avoir du boulot, moi. Il y a trop de lune ce soir. Ce sont quasiment les derniers mots que m'a dit Jacques. Ah, le cardiaque? Ouais. 15 ans de métier. Il avait pas d'excuse. Faut une excuse pour crever? Je te parle pas de ça. T'es vraiment con, Junior. Ce que je dis, c'est que 3 minutes après, il y avait un groupe entier qui lui filait sous le nez. Et tu verras ce soir. Dis donc, José. Tu y es allé là-bas, de l'autre côté, je veux dire. Ouais. Il y a longtemps. C'est comment? Qu'est-ce que t'imagines? Un pays à 1 heure de bateau d'ici, tu crois que ça peut être très différent? Eh ben non, c'est pareil. Moi, la flotte. Et la flotte, c'est tout. Donc j'y repense, pourquoi il t'a dit ça, Jacques? C'était la pleine lune? Ouais, la même que ce soir. Tu te rends compte, ça fait bientôt un mois que t'es avec moi. Je sais. 26 jours et 48 arrestations précisément. Tu comptes encore? T'en fais pas, ça te passera. Là, dans la passe, fonce!
L'enfant, il est très malade. Laissez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dehors. Allez, dehors. Oui, mesdames, messieurs, selon nos lois en vigueur et conformément aux accords passés avec votre gouvernement, vous faites l'objet d'une reconduction immédiate dans votre pays. Exécution. Suivez-moi. Toi aussi, tu le sens, le courant ? Quel courant ? Tu sais bien... Entre nous, les atomes. C'est à toi qu'est la Gilles, hein ? C'est mon frère. Il a 3 ans. Tu ne m'as pas répondu. C'est fort, hein ? Je sais même pas ton prénom. Michaela. Je m'appelle Michaela. Monsieur Junior. C'est le vieux qui m'appelle comme ça. Ça te va bien. C'est quoi le vrai prénom ? Laisse tomber. Je préfère Junior. Ce bus va vous emmener au ferry. Dommage. Mercredi dans 8 jours, tu travailles ? Non, je reprends jeudi. Alors jeudi soir, j'aurai un bateau. Je reviendrai et tu me laisseras passer. Et pourquoi ? On bouge. On reste encore un peu. Un quart d'heure, pas plus. Ce soir, je le sens pas, ce coin-là. Tu fais chier. Y a pas à dire. 2 jours de repos, ça te fait du bien. Tu reviens en forme. Ta gueule. Eh, peut-être qu'ils reviendront plus. Peut-être qu'un gros malin qui a fait un forage, un maouche qui a noyé tout le monde. Ou alors, ils attendent que la lune se cache. Comme ça, ils ne voient pas crever quand ils ratent la passe.
ou bien ils ont trouvé. Qu'est-ce que c'est? Junior! Bordel! Qu'est-ce que t'as trafiqué? Bouge pas, José. Fais pas le con. C'est pas moi qui fais le con. Je savais. Je dois rester assuré tes arrières. Je te rejoindrai plus tard. Dis-moi où. Je vais chez mon oncle à la capitale. Tu te rappelleras l'adresse? Sûr. 3 rue Bizet. C'est facile. Sauve-toi vite, je te rejoindrai plus tard. Désolé. T'es content de toi? J'avais pas le choix. T'es vraiment un con, Junior. J'en démords pas. Il va de soi que je ne ferai pas de rapport. Merci. Y a vraiment pas de quoi. Je ne vais pas aller mettre par écrit que je me suis fait avoir comme un bleu. Tu te tires quand? Je sais pas. Je te signale que t'as signé un contrat. T'as du fric? Pas tellement. Raison de plus pour finir ton mois. Prends ta paye, démissionne dans les règles, et après tu verras. Trois semaines, ça va être dur. Quoi? Pas savoir si elle t'a baisé? Je me suis pas fait avoir. Mais je te le souhaite, Junior. Bon, on continue? Ou tu vas tous les laisser passer ce soir? De ce que tu fais? C'est mes oignons. Et si la rue Bizet, elle n'existe pas? Ben, je ferai tous les musiciens, puis après les écrivains, les scientifiques, tout ça. À défaut de la trouver, ça va te faire un sacré bagage. Je suis pas pressé. Enfin, si. Mais je la retrouverai. Ouais, avec un petit mari et son soi-disant frère. Dans ce cas-là, je la bute. Allez. Finalement, t'es peut-être moins con que t'en as l'air. Un regard en coin qui dès lors me fera manger dans ta main.